sur les publications de cette tata qui fait la propagande de la dépigmentation abusive. Parce que pour elle, là, c'est de devenir transparent. Ce n'est pas devenir clair ou peau, c'est devenir transparent. Transparent comme le cadavre. J'ai voulu parler, mais je me dis non, c'est le commerce de quelqu'un. Aïcha, tu es toi-même commerçante. Donc je me mets là. Aïe, aïe. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Terma. Je suis la Terma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes africaines, toutes les femmes noires, mates et métissées, de garder leur couleur de peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de dépigmentation. Alors, je vais vous faire écouter une vidéo qui m'a énormément touchée. Et quand j'ai écouté cette vidéo sur la page d'une influenceuse, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit non, je vais partager. Et sous la vidéo de cette influenceuse, je lui ai dit Aïcha, je vais partager ta vidéo. Alors, il s'agit de Aïcha Kamoaz. Je crois que vous connaissez tout ce qui est Aïcha Kamoaz. Moi, je dis toujours que c'est ma fille, voilà. Souvent, je la titille un peu sur TikTok par rapport à ses produits, par rapport à ses sorties, sur la dépigmentation, etc. Elle a fait une vidéo où elle parlait de dépigmentation et ça a fait tilt dans ma tête. J'ai dit, ah, elle a dit des choses très importantes et je voudrais que vous écoutiez jusqu'à la fin et puis après, je vais vous expliquer. Sur les publications de cette tata qui fait la propagande de la dépigmentation abusive. Parce que pour elle, là, c'est de devenir transparent. Ce n'est pas devenir clair ou peau. C'est devenir transparent. Transparent comme le cadavre. J'ai voulu parler, mais je me dis non, c'est le commerce de quelqu'un. Aïcha, tu es toi-même commerçante. Donc, je me mets à la place du commerçant, je me retiens. Mais mesdames et messieurs, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Il y a une semaine, vous m'avez vu, je n'étais pas trop présente sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ma maman est malade. Ma maman a commencé à se dépigmenter à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, elle en a 52. Donc, vous imaginez que ça fait plus de 30 ans qu'elle s'est dépigmentée. Le savon Caribou, elle a utilisé. Le tube Lemon, ou c'est Lemon quoi, elle a utilisé. Elle a utilisé les rapides clés, immédiat clés, Caro Light. Elle a déjà utilisé ce qu'on fait même comme ça. Là, tu grattes ta peau, sort comme ça. Donc, elle a déjà utilisé de ces choses ici, là, que moi-même, je restais souvent comme ça. Là. La nuit, ma mère dit que, mets ici, là, sur mon dos. On met le plastique, on attache. On met l'autre sur la main comme ça. Elle l'envoie dans la chaussette. Elle dort avec. Le matin, tu viens, tu la vois que les chaussettes, elle a les chaussettes aux pieds. Le plastique, non. Après, on met les chaussettes. On prend le plastique, on met. Le matin, elle se lève, la peau pèle. Donc, elle a fait tellement de choses parce que elle avait le complexe de la peau noire. Aujourd'hui, c'est en train de lui jouer des tours. Elle a voulu arrêter le Johnson, mais malheureusement, son corps est déjà habitué aux corticoïdes. Ils appellent ça ou c'est corticoïdes ou c'est corticone. Bref, vous allez, il y a une substance là dont son corps est déjà habitué. Ce qui fait que maintenant, elle ne peut pas arrêter d'un coup. Elle a arrêté, ça lui a fait des réactions. Quand vous, ceux qui ont connu ma mère, quand vous la voyez maintenant, ça a fait que son visage gonfle comme ça. Elle a les joues, comme si elle avait les rétentions d'eau, sauf que non, il n'y a rien, il n'y a pas de rétention d'eau, en fait. Donc, ça, là, c'est en train de partir même un peu, mais ça l'a gonflé. Son corps a commencé à gonfler comme ça quand on voyait ma mère. Mais c'était moi-même, quand j'ai vu, j'ai crié. Bref, donc, du coup, maintenant, elle est obligée de prendre des médicaments. Et elle ne fait des médicaments de cortico, ce cortico là non. Et elle ne fait pas une bonne réaction aux médicaments. Donc elle est maintenant sur observation. On est obligé de l'observer. Et voilà, de l'aider à traiter sa peau. Parce que les Watts ici, ils ne maîtrisent pas trop la peau noire et tout ce qui est, tous les processus chimiques qu'elle a, toutes ces choses-là. Donc du coup, pour ce coup, millions et millions,
Je dirais bravo à Amy de venir sensibiliser, de venir prévenir, parce que au lieu de faire seulement le proving, le montring, aujourd'hui au moins, je me rejoins à toi, je me joins à toi pour dire non, on dit ça abusif. Certaines personnes m'ont dit, Kaïcha, tu ne fais pas l'ondjansa. Non. Kamos Beauty ne fait pas l'ondjansa. Je pourrais vous poster mes pieds, mes mains, tout. Ceux qui viennent souvent au salon, Kamos Beauty, viennent souvent me voir. Je ne fais pas l'ondjansa. La nuit, je n'ai pas mis de lumière, je n'ai pas mis de red light. Mais ceux qui me voient dans la rue pourront vous dire que tu peux manger sur ma peau. Tellement ma peau, elle est noire. C'est pas le bac et badjo. Tu peux facilement manger sur ma peau. Non, ondjansa abusif. Honnêtement parlant, parce que aujourd'hui je vois ce que c'est, je vois vraiment ce que c'est, et ça serait malhonnête de ma part de ne pas venir en parler. Et je dis bien que je ne veux pas, je ne suis pas là pour saboter le commerce de la tata. Là, elle m'a jamais prononcé, elle m'a jamais provoqué, mais néanmoins, je suis obligée, en vue de ce qui se passe dans ma vie actuellement, venir dire aux jeunes que le Njansan, plus là, que tu te tchors, tu quittes de une teinte à deux teintes. Non. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, j'ai déjà parlé. J'ai déjà dit pour moi. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Vous avez écouté Aïcha. Vous avez écouté l'histoire, son histoire, hein, ce qu'elle nous a raconté, ce qu'elle nous a dit concernant sa maman. Ça m'a fait mal au cœur parce que je sais comment une maman est précieuse, je sais comment nous tous nous adorons nos mamans. Moi, la mienne, elle est partie il y a déjà des années en arrière, mais je suis toujours avec elle parce que je sais qu'elle est dans mon cœur et qu'elle est toujours là à me protéger et à prendre soin de moi. Alors, je voudrais déjà dire bravo à Aïcha. Je voudrais que les gens arrêtent de dire oui, Aïcha se dépigmente, Aïcha fait... Bon. Je ne suis pas dans ce débat. Je ne suis pas dans ce débat. Qu'elle se déprimante ou pas, bon, je ne vais pas mettre ma main au feu. Que ces produits soient éclaircissants ou pas, je ne vais pas mettre ma main au feu parce que je ne connais pas. Je ne me suis pas penchée dessus. C'est vrai qu'elle a eu à m'interpeller, me dire, tata, si tu veux, je t'envoie les produits. Comme ça, tu essaies de voir et tout. Bon, j'ai dit, je n'ai pas répondu. J'ai dit, oh, je crois que j'ai dit oui, mais après, je me suis dit... Moi, je préfère en fait faire des revues sur des produits connus, mondialement connus. Voilà, c'est plus intéressant pour moi que de faire des revues individuelles en fait, sur des produits locaux, sur des produits tout simplement parce que derrière, dès que vous allez dire quelque chose qui n'est pas bien, on va dire « Oh, tu veux saboter le business, tu veux donc… » Et comme moi, je n'aime pas les remarques trop négatives à mon âge, j'ai préféré ne pas trop me pencher sur ces produits. Donc, je ne peux pas vous dire si ces produits sont éclaircissants ou pas. Je ne connais pas la composition de ces produits. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, ce n'est pas le but du sujet. Le but ici, c'est que Aïcha nous a parlé ouvertement de ce qui arrive à sa maman. Alors, vous avez bien écouté l'histoire, indépendamment du fait qu'elle dise que, bon, elle est contre la dépigmentation où les personnes se blanchissent à outrance, notamment des produits qu'on avale. Hein. Elle parlait, donnait l'exemple d'une dame au Cameroun que je connais. Pardon, c'était son nom. Vas-y, je sais, son nom va venir au commissariat. Elle dit d'une dame qui est transparente, qui est très claire, etc., etc. Donc, elle parlait déjà des produits de la dame en disant que ces produits sont des produits à avaler, ne sont pas bien. Voilà, les produits éclaircissants à avaler. Alors, moi, je dirais à Aïcha, c'est même pas seulement les produits à avaler éclaircissants. Tous les produits éclaircissants ne sont pas bien, que ce soit à avaler ou pas. Et il n'y a pas question de dire qu'on gâche le commerce de X. Non. Quand tu veux sensibiliser tes proches, quand tu sais qu'il y a le danger, tu vas alerter. Tu ne peux pas voir ta soeur tomber dans le trou. Tu ne vas pas l'alerter sous. Peut-être que si tu l'alertes, tu vas gâcher le business. Non. Si tu vois que ta soeur va tomber dans le trou, tu vas dire ne va pas, non. Tu vas quand même dire à ta soeur ne va pas dans ce sens-là parce que tu vas tomber dans le trou. Parce que si tu es même une chrétienne, en tant que chrétienne, si tu aimes Dieu et si tu respectes Dieu et si tu respectes l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas t'empêcher de sensibiliser. Tu ne peux pas voir des jeunes filles boire des produits éclaircissants et devenir transparente et tu dis je n'en parle pas parce que je vais gâcher le business de la dame. On s'en fout. On gâche ou pas, où est le problème? Moi, j'ai dit que ne buvez pas. J'ai dit,
ne buvez pas ces produits. Ne buvez pas ce genre de produits. Ce sont les produits qui vous amènent tout droit dans le cercueil. Et moi, j'ai dit toujours, le temps va me donner raison. Revenons à Aïcha. Aïcha nous parle de sa maman. Aïcha dit que sa maman se déprimante de la peau depuis de nombreuses années. Donc, elle a vécu la déprimentation de sa maman. Et elle dit que sa maman utilisait des produits, notamment les caribous, des produits très dangereux, les carolaïs, des produits très dangereux. Donc, des produits remplis d'hydroquinone et remplis de corticoïdes. Elle nous raconte la souffrance de sa maman et la souffrance elle aussi, parce que quand vous avez une maman qui est malade, vous aussi vous en souffrez. Elle dit que sa maman a développé une addiction aux corticoïdes. Alors il faudrait que vous compreniez une chose, c'est tout sur ça que je veux rebondir. Quand on se dépigmente la peau, en général quand on veut être clair, on achète des produits pour être clair. Il faut savoir que dans ces produits de manière générale, il y a souvent des hydroquinones et des corticoïdes. Ce sont les deux molécules qui sont à l'origine de vraiment de l'éclaircissement de la peau. Je répète, hydroquinone et corticoïdes sont les deux actifs à l'origine de l'éclaircissement à outrance de la peau. Il n'y a pas de petits éclaircissements, il n'y a pas de grands éclaircissements. L'éclaircissement de la peau se fait sur la longue durée. Une femme qui s'éclaircit la peau, elle ne va pas le faire sur une semaine, elle va le faire sur des mois. La maman de Aïcha s'est dépigmentée la peau pendant de nombreuses années. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a utilisé des corticoïdes. Du coup, l'organisme a absorbé, les corticoïdes sont passés dans le sang, parce que je vous ai dit que les corticoïdes sont des médicaments qui sont à l'origine de la dépigmentation. Ce sont donc des médicaments qui passent dans le sang et qui, en s'accumulant dans le sang, peuvent être à l'origine de nombreux effets secondaires, notamment le diabète, l'hypertension, l'hirsutisme. Vous voyez, toutes ces femmes qui se dépigmentent la peau, elles ont des cheveux partout. C'est ce qu'on appelle l'hirsutisme et c'est souvent dû aux produits éclaircissants, notamment l'hydroquinone et les corticoïdes. Elle raconte donc l'histoire de sa maman. Quand vous dépigmentez la peau pendant de nombreuses années, vous êtes une addict. C'est-à-dire, vous développez une accoutumance aux produits éclaircissants, notamment les corticoïdes. Les corticoïdes sont très dangereux dans le sens où plus vous utilisez les corticoïdes, plus le corps va en réclamer. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez arrêter, brutalement, vous allez développer ce qu'on appelle le syndrome de Cushing. Et c'est de ça que souffre la maman de Aïcha. La maman de Aïcha souffre de ce qu'on appelle le syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing, ça veut dire que le corps qui enfle des œdèmes dû un peu au manque de corticoïdes. Le corps réclame ses corticoïdes. Donc, on est obligé de la sevrer. Vous savez ce que c'est qu'un sevrage? C'est-à-dire un sevrage, c'est-à-dire qu'on vous administre, mais à dose infime, de produits qui est à l'origine de l'accoutumance. Parce que les corticoïdes sont dans le sang. Et le temps d'élimination des corticoïdes est assez long. Elle va s'en sortir, mais ce sera sur une longue durée. Il faut qu'elle soit bien suivie. C'est pour ça que c'est important. Les médecins se sont rendus compte, effectivement, que ce sont des corticoïdes. Donc, je pense qu'elle a dû dire au médecin. Parce que sinon, le médecin, au départ, ne saura pas. Il va falloir faire plusieurs tests, plusieurs examens pour se rendre compte qu'effectivement, elle a un problème de corticoïdes dans le sang. Et c'est là où la dépigmentation est dangereuse. Elle a été honnête parce que parallèlement à ça, elle veut sensibiliser. Le syndrome de Cushing est une forme d'accoutumance aux corticoïdes. Vous habituez votre organisme aux corticoïdes et puis un beau jour vous arrêtez, l'organisme réclame, il réagit. Des œdèmes sur le visage, des œdèmes sur les mains. Moi j'avais une dame qui avait des œdèmes sur tout le corps. Les pieds gonflés, les mains gonflées, le visage gonflé, le corps gonflé. Parce que le corps était en manque. Mais elle, à la différence d'Aïcha, elle n'avait pas dit la vérité à son médecin. Donc le médecin ne savait pas. Il voit le corps qui enfle. Et c'est moi qui lui ai dit, mais non, si tu ne dis pas au médecin, le temps de faire les examens et tout, c'est attention. On perd le temps. Donc, l'alimentation violente de la peau, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Vous voyez comment Aïcha est en souffrance par rapport à sa maman. Elle l'a bien expliqué. Elle a dit quand elle a vu sa maman, ça fait mal. Elle a la chance parce que sa maman est en France. Vous imaginez son homme de Cushing au Cameroun ou ailleurs ou en Afrique. S'il n'y a pas suffisamment de personnes aguerries pour s'en occuper, c'est l'arrêt cardiaque. C'est l'arrêt cardiaque. Ou s'il n'y a pas les moyens pour soigner,
Parce qu'il faut avoir les moyens. Si c'est une maman du village qui développe le syndrome, elle va faire comment? Elle va prendre l'argent où? Pour aller à l'hôpital se soigner. Le corps va gonfler, on va dire que c'est la sorcellerie, alors que ce sont les produits éclaircissants. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas toutes ces femmes qui ont ce besoin de s'abîmer la peau. Moi, j'ai vu une là, elle est transparente. Mais je vous dis, et c'est très dangereux, hein. Parce que je ne sais pas si les femmes... Le problème de l'alimentation, c'est que souvent, vous avez vu la maman de Aïcha, elle dit depuis l'âge, je ne sais plus si elle a dit depuis l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans. Or, la maman de Aïcha doit être de la même génération que moi. Je ne connais pas son âge, mais vu l'âge de Aïcha et vu l'âge à laquelle elle a commencé l'alimentation, elle doit être peut-être dans la cinquantaine ou soixantaine. Après combien d'années? Moi, je ne sais pas ce que les gens trouvent dans le Jansan. Et je dis que toutes les femmes là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui vendent des produits, oh, ça ne décape pas. Oh, je dis que ça décape. Ça décape parce que je suis en contact avec leurs clientes qui ont peur de dénoncer. Mais oui, elle dit, mais pourquoi tu as dit que oui, il y a une là qui est sur les réseaux sociaux qui fait la pub de telle ou telle marque, hein, en disant que ça ne décape pas alors que ça m'a tué la peau. J'ai dit, mais pourquoi tu ne dénonces pas? Mais oui, j'ai le nom de toutes ces femmes, c'est seulement que bon... Je suis fatiguée. C'est vrai que quand vous allez venir parler, ça va faire des retours, des problèmes et tout. Moi, comme moi, je ne suis plus dans l'esprit d'avoir des problèmes avec les gens. Voilà. Tout ce que je fais, c'est que je sensibilise et j'attire l'attention. Et je lance des messages. Si tu attrapes et si tu comprends, tant mieux. Je répète, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, mis à part... quelques gammes, mis à part quelques gammes que je connais et je sais que ça ne décape pas. Il reste là. Je dis, ça décape. Donc, pour être sûr de ne pas utiliser des produits éclaircissants, achetez des produits de marque connue. Si vous ne savez pas comment faire, achetez des produits de marque connue. Mais ce qu'on vous vend sur les réseaux, notamment sur Facebook, là, ce que je vois là, oh, laissez tomber. Rempli d'acide kojique comme ça. Rempli d'acide kojique comme ça. Le problème qui se pose, c'est que toutes ces femmes-là sont tellement filtrées. Elles ont tellement le filtre que vous ne pouvez pas savoir. Mais il faut les voir comme ça. Vous allez confirmer. Ah oui. Donc, je disais à Aïcha, courage à toi. Et merci pour ce message de sensibilisation. Et aussi beaucoup de courage à ta maman. Je sais que ce n'est pas facile. C'est une épreuve très difficile à passer. Pour moi, je pense que ça va aller. Ça va aller parce que on a identifié déjà le problème. Et c'est une question de timing. Une question de temps. Son taux de cortisol dans le sang est très élevé. Donc, il faut baisser ce taux. Mais pour pouvoir baisser le taux, on lui remet un peu de corticoïdes parce qu'elle est en manque. Mais on lui remet des corticoïdes, mais en petite dose. Pour ne pas que l'organisme soit trop en manque et pour baisser le syndrome de Cushing. C'est un syndrome inflammatoire. Mais ça va passer, mais avec le temps. Voilà. Je tenais à attirer l'attention des jeunes femmes et de toutes ces femmes qui se dépigmentent la peau. J'espère que vous avez écouté le message de Aïcha. Vous voyez ce qui arrive à sa maman. Ah, et elle a vu. Elle a compris les dangers. Parce que souvent, quand on parle, les gens ne voient pas. Et quand c'est quelqu'un qui n'est pas proche de toi, tu dis, ah, mais le jour où c'est ta personne, tu dis, ah, donc c'est comme ça. Je pense que Aïcha aussi a pris conscience. Je ne sais pas si c'est produit éclaircissant. Parce que je sais qu'en vrai, elle dit qu'elle vend les produits éclaircissants. Je ne sais pas. Mais si elle était dans l'éclaircissement de la peau, avec ce qu'elle est en train de vivre là, elle devra changer la formule. Parce que Aïcha, dans tes produits, il y a seulement une molécule éclaircissante modifiée.
Parce que tu connais maintenant les dangers. Parce que souvent, on dit que les gens ne connaissent pas le danger. S'il y a une molécule éclaircissante dans tes produits, il faut enlever. Parce que tu as vu les dangers. Voilà, en tout cas, c'était juste pour faire écouter le message d'Aïcha et je voulais rebondir dessus. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère aussi que toi qui te déprimes de la peau, tu as écouté et que demain, tu prendras la bonne décision. On m'a dit, Aïcha, chacun fait ce qu'il veut. On ne peut pas obliger une femme à arrêter le jeûne. Non. Il y a des personnes qui m'appellent, oh, Malatema, je veux que ma mère. Je dis non. Tu ne peux pas dire que je veux que ta mère arrête. Qu'est-ce que ta mère veut? C'est ça qui est important. Que veut ta maman? Que veut ta soeur? Que veut ta tante? C'est ça qui est important. Parce que si c'est que toi tu veux, c'est ce qu'elle, elle ne veut pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, c'est une décision personnelle. Parce que ça n'engage que la personne qui le fait, la personne qui la porte. Ça n'engage pas quelqu'un d'autre. Donc, si la personne qui se fait l'urgence ça ne décide pas d'arrêter, ça ne sert à rien. Tu auras beau cogner ta tête, ça ne changera pas. Il faut que cette personne elle-même vienne et dise la terre, moi, je vais arrêter. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Prenez soin de vous et surtout, dites non à la dépigmentation volontaire de la peau. N'hésite pas à me laisser des likes. N'hésite pas à t'abonner, c'est important. N'hésite pas aussi à me dire si tu as utilisé des produits éclaircissants ou si tu es en train d'utiliser. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais si tu me suis, c'est que tu veux peut-être arrêter la dépigmentation. Bon dimanche à vous. Ciao.